Salut toi, déjà debout? Ouais, j'ai beaucoup de boulot aujourd'hui. Tu devrais ralentir un peu, t'es crevé. J'ai pas le choix, ma délivraison en retard, tu peux toujours pas m'aider. Bon, oublie-moi. Comment ça va mon grand? Ça va. T'apportes ta commande? Oh super! Et ton entreprise, ça roule? Oh ça va. Isabelle s'est cassée la cheville. On galère à suivre les commandes, mais ça va. Ça doit pas être évident. Ouais non. Bon, faut que je te laisse, j'ai d'autres commandes à livrer. À bientôt, bon courage. À bientôt, merci. Salut! Ah, monsieur Jean, comment allez-vous? Comment ça va? Ah, votre femme, ça va? Votre ça va, femme, la, ça va? Ça va, la santé, ça va. Ah, bon, oui. C'est bien, là. Vous venez, vous? Votre commande de pâté. Ah, d'accord, merci. Combien de boulot? Non, mais vous avez réglé la dernière fois. Ah, d'accord, oui, c'est vrai. Ah, d'accord. Il a manqué un bot de confit de réunion, là. Où ça? Oui, parce que la dernière fois, vous m'avez fait un cadeau. Ah oui, mais les cadeaux, ouais, c'est non, pas tous les jours, non, c'est pas gentil, là. Ah oui, mais... Hey, je commandé quand même, hein. D'accord. La prochaine fois, je vous en mets deux. Ok, ça d'accord. Bon, mais merci quand même. C'est comme ça, hein. Bon, voilà. Mais sinon, vous avez perdu le client, hein. Non, ah attends. Bah, hey, vous, je, on les garde. Je suis client depuis 20 ans, hein. D'accord. Ah, vous les connaissez, hein. Ah, bon, allez. Allez, bonne journée. Et puis, bon santé. Bonne santé à vous. Et mangez bien, régalez-vous. Allez, au revoir. Au revoir. Jean, j'ai eu Céline et Rodolphe au téléphone. Ils viennent manger demain soir à la maison. Céline et Rodolphe, ça fait un bail que vous les avez pas vus ce demain. Oui, ça fait un moment. D'ailleurs, j'avais pensé, tu pourrais peut-être leur faire, le fondant au chocolat. Ah oui, il en avait pas pris 4 fois la nuque de Serge. Ah oh, si, il s'était régalé. Ouais. Bon, bah, je vais préparer tout ça. Ok. À tout à l'heure. Bisous. Chérie, t'as pas vu le livre de cuisine? Qu'est-ce que tu dis? Avec les pâtisseries, là. Chère Isabelle, j'ai passé des moments inoubliables en ta présence. Tu es ma plus belle rencontre. Je garde toujours sur moi le bracelet qui représente à mes yeux notre amour, ainsi que la photo où nous étions sur le port de Saint-Malo. Mais le meilleur souvenir que je garde en moi reste cette escapade sur les plages de Quiberon. Tu avais réussi à avoir le vertige en grimpant sur un menhir. Je t'aimerai toujours. PS, quand comptes-tu quitter cet abruti de Jean pour venir me rejoindre? Ton petit breton. Ah bah t'as trouvé ce que tu voulais finalement.
Bon, je vais me coucher. Si tu veux, il y a des restes dans le frigo si tu veux. Bonne nuit, à demain. Aujourd'hui, messieurs, dames, pas là tous les jours.